Bonjour à tous, je suis Adrien Servière, je travaille donc au CDE depuis un peu plus de 3 ans maintenant en tant qu'animateur de fonds éditoriaux. Avant ça, j'ai travaillé plusieurs années en librairie et 2 ans comme responsable commercial d'une petite maison d'édition de sciences humaines à Paris. Avant de vous présenter un peu plus en détail ce que j'ai fait depuis 3 ans, peut-être un petit mot sur ce qu'est le CDE. Donc, centre de diffusion de l'édition, créé dans les années 70 par Claude Gallimard, aujourd'hui dirigé par Karima Gamjit. On est une structure de diffusion. On diffuse 80 maisons d'édition, des éditeurs groupes, comme De Noël, La Table Ronde, POL et Le Mercure de France, que vous connaissez évidemment, et des éditeurs clients, parmi lesquels Sabine Vespizer, ici présente, que vous entendrez cet après-midi, Christian Bourgois, Gallmeister, Liana Lévy, les éditions de Minuit, et depuis un peu plus d'un an, La Peuplade, qu'on a accueilli avec plaisir au CDE. Concrètement, le fonds du CDE, c'est environ 40 000 références disponibles, ce qui est colossal. On a 2 équipes de 9 représentants pour diffuser tous ces titres-là, qui visitent environ 900 librairies en France et en Belgique. Voilà un peu pour le panorama du CDE. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, il s'agissait d'une création de poste avec donc tout à faire. Un seul objectif qui était de dynamiser les ventes de fonds des éditeurs diffusés et à peu près carte blanche en termes d'idées pour y parvenir. Donc le premier jour, quand je me suis assis derrière mon bureau, j'avais mon ordinateur, mon téléphone. Je ne recevais pas de mail et je n'avais pas d'appel, ce qui était un peu vertigineux. Mais rapidement, je suis allé rencontrer les éditeurs qui m'ont donc présenté leur catalogue et l'histoire de leur maison à travers les titres emblématiques, les titres importants. Et c'était absolument passionnant. Je repartais de chaque rendez-vous avec plein d'idées de lecture. C'était passionnant. Et dans le même temps, je rencontrais les libraires pour faire un peu un audit des besoins éventuels en librairie. Et ce qui revenait très souvent, c'était le manque de formation et d'information en matière de fonds. J'avais donc d'un côté des gens qui parlaient admirablement bien de leurs fonds, et d'un autre côté des gens qui voulaient entendre parler de fonds. L'équation était donc assez simple. Il fallait faire rencontrer les éditeurs et les libraires, et c'est un des axes autour desquels j'ai travaillé depuis 3 ans, une partie pédagogique. Alors ces réunions entre libraires et éditeurs, comment elles se passent ? On invite 20 à 30 libraires sur une journée. On invite 5 éditeurs qui se succèdent et on donne 1 heure de temps de parole à chacun des éditeurs. Avec pour consigne, en gros, de raconter la même chose que ce qu'ils m'ont raconté le jour où je les ai rencontrés. Donc, interdiction de parler de livres qui n'existent pas encore. Parce qu'en général, quand les libraires et les éditeurs se rencontrent, c'est pour parler de livres qui n'existent pas encore. Mais les livres qui existent, on en parle très peu. Donc, interdiction de parler des livres à paraître, et puis raconter l'histoire de la maison à travers les titres importants, qui sont certes, d'une part, les meilleures ventes, mais pas que. Il y a évidemment des auteurs importants qui ne se vendent pas beaucoup, ou en tout cas moins. Et voilà. Pour ce point-là, donc, on a organisé ces réunions à Paris dans un premier temps. Ça a été un succès. On est allé en province, à Aix-en-Provence, à Lyon, à Bruxelles. Et le premier constat de ces réunions, c'est l'adhésion des éditeurs et des libraires à ces réunions. Alors les éditeurs, on s'en doutait, ce qui en ressort quand même, c'est que ce qu'apprécient les éditeurs, c'est la prise de hauteur que leur demandent ces réunions. Ils sont eux aussi pris dans le rythme des nouveautés permanentes. Et quand on leur demande de mettre sur pause pour pendant 1 heure présenter leur catalogue, ils sont obligés de s'extraire un peu de leur quotidien. Côté libraire, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'ils vont venir ? Parce qu'ils sont, comme ici, très sollicités. Et la réponse est oui, ils viennent. Et on est même obligé de refuser des libraires, puisqu'on veut maintenir des formats assez intimistes et faire de ces réunions des lieux d'échange plutôt que des cours magistraux avec 50 libraires. Une fois ces réunions terminées, quand on analyse le comportement des libraires, et là, c'est très intéressant, on voit que 50 à 60% des libraires s'emparent de quelques titres, les lisent, les remettent sur table, les défendent et les vendent, parfois dans des proportions spectaculaires. On a
des libraires qui ont vendu plusieurs centaines d'exemplaires d'une référence qu'ils n'avaient plus en stock au moment de la réunion. Donc l'impact est vraiment concret. On a dans le même temps 30 à 40% des libraires qui commandent des titres à l'unité ou sous forme d'opération, qui remettent soit dans leurs bureaux ou soit sur des coins de table. Et là encore, la question c'était, est-ce que dans quelques mois, on n'aura pas des retours sur ces titres-là? La réponse est non. Non seulement il n'y a pas de retour, mais en plus, on constate maintenant des réassorts sur ces titres-là. Quand on prend un peu de hauteur sur l'analyse de ces résultats, et c'est le chiffre le plus parlant, on voit que le poids des libraires dans le chiffre d'affaires des éditeurs présents est multiplié par deux après les réunions. Donc c'est vraiment très concret. Et un point que moi, je n'avais pas du tout anticipé, c'est que les libraires se mettent à mieux défendre la nouveauté. Parce qu'ils ont compris les fils qui tissaient un peu les catalogues des uns et des autres, ils sont plus attentifs aux nouvelles parutions des éditeurs, et ils les défendent mieux. Donc évidemment, puisque ça marche, on va continuer. On va continuer à aller en province, et on va, d'ici une dizaine de jours, organiser un gros événement sur ce modèle-là, un peu moins de 10 jours d'ailleurs. Je rentre à Paris ce soir pour l'organiser. Qui s'appellera les apartés du CDE. On fait venir 11 éditeurs sur une journée et demie, sans libraire, qu'on va répartir en 11 groupes, puisqu'on a 11 éditeurs. Le lundi à 9h, l'éditeur numéro 1 rencontre le groupe numéro 1 jusqu'à 10h. À 10h, l'éditeur numéro 1 rencontre le groupe numéro 2, et ainsi de suite pendant un jour et demi. Ce qui veut dire que les éditeurs vont rencontrer les libraires par groupe de 7 ou 8, sur des tables rondes, comme ici, et qu'au bout d'un jour et demi, ils auront rencontré entre 80 et 100 libraires. Là encore, la question qu'on se posait, c'est la disponibilité des libraires, parce qu'on parle d'un jour et demi, on parle d'un événement à Paris, avec des libraires potentiellement de province, et on est plutôt rassuré parce que les libraires, pour l'instant, répondent assez massivement. Donc évidemment, on n'a pas encore le bilan et les résultats de ce que feront les libraires avec ça, mais on peut imaginer que ça se passera largement aussi bien que les précédentes réunions. Deuxième axe, une partie beaucoup plus commerciale, et je dirais opération commerciale. Très souvent, quand on parle d'opération commerciale, on parle d'un catalogue, voire d'une collection dans un catalogue, et on raisonne assez rarement par thématique. C'était intéressant ce qui était dit tout à l'heure sur les thématiques. Au CDE, on a la chance de diffuser 80 maisons avec des catalogues très riches, très différents. Et évidemment, quand moi je regarde tous ces catalogues, j'ai envie de les associer autour de thématiques. On a donc lancé une première opération il y a un peu plus de 2 ans. Alors il y a 2 ans, on était en plein Brexit, Trump. Alors, en France, c'était la campagne présidentielle, l'affaire Fillon, enfin, on en avait tous ras-le-bol. Et on s'est dit qu'on pouvait résister par les livres. Et on a fait une thématique qui s'est appelée « Lire, penser, résister ». C'était le nom de notre opération. On a été chercher dans 20 catalogues de nos éditeurs 80 titres, qui étaient évidemment autour de cette thématique, à la fois des romans, à la fois des essais, des beaux livres, de la jeunesse. Vraiment, on a mélangé les segments. Et on a soumis évidemment ces titres aux éditeurs qui les ont validés. Puisqu'il s'agit d'une opération, on a fabriqué du matériel, des affiches, des triptyques, on a monté un concours vitrine pour les libraires, etc. Et on s'est dit qu'on allait voir ce que ça donnait. On a confié cette opération aux représentants en se disant on est les premiers à faire ça en France, on verra, si on rate, tant pis. Le résultat, c'est qu'un mois et demi après, on avait 120 vitrines lire, penser, résister en France et en Belgique, ce qu'on n'avait pas du tout anticipé, avec des médias qui ont parlé de nous. Encore une fois, on parle d'une opération commerciale. Les médias ne parlent pas des opérations commerciales, normalement. Là, on a eu pas mal de presse. Enfin, bon, il y a eu un vrai raz-de-marée, lire, penser, résister. Du coup, on a continué dans cette veine-là. Alors ça, c'est lire, penser, résister, où vous voyez quelques vitrines, la PLV qu'on a montée. Et puis la photo du bas, c'est une émission de télé qui... D'ailleurs, je crois que Radio-Canada avait parlé de lire, penser, résister. La deuxième qu'on a montée s'appelait lire, penser, imaginer. C'était autour de la science-fiction pendant le mois de l'imaginaire en France, qui a été un gros succès aussi. Plus récemment, Lisez solidaire, au mois d'octobre dernier. Et en ce moment, une opération qui s'appelle Héroïne, qu'on a lancée début mars, et qui rassemble des titres qui contiennent des personnages féminins forts, essentiellement en littérature.
Donc voilà pour cet aspect opération. Alors évidemment, on arrive auprès des libraires avec du matériel, une liste de titres. Il est évident que les libraires choisissent à l'intérieur de ces titres-là, mais qu'ils ont la totale liberté pour aller chercher des titres qui sont diffusés par d'autres diffuseurs. On ne ferme pas, d'ailleurs on le voit dans les photos, il y a des titres diffusés par le CDE et d'autres non. Je pense que c'est une des conditions, effectivement, si on veut que les libraires puissent à la fois nous suivre et se démarquer un petit peu en défendant les titres qu'ils aiment aussi ailleurs, c'est une des conditions sine qua non pour que ça fonctionne. Il faut accepter ça, très clairement. Troisième axe, la création d'outils destinés aux libraires. Alors, les rencontres qu'on a organisées, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on en a fait sur le segment des sciences humaines. Et moi, ça me paraissait pas suffisant, cette transmission orale, parce que, clairement, en tout cas, à mon avis, le rayon sciences humaines en librairie, c'est le plus compliqué, et de loin. Donc, on a décidé de créer un guide pour les sciences humaines du CDE, destiné aux libraires. Guide qui rassemble 720 titres, un peu les 720 titres incontournables des sciences humaines du CDE, qui sont répertoriés par histoire, philosophie, sociaux, psychologie, écologie, etc. Chaque entrée de chapitre, on trouve quelques focus sur les auteurs importants. Là, je ne sais pas si vous voyez très bien. Oui, voilà, on voit un focus Pierre Bourdieu pour l'entrée sociologie avec une petite biographie et ensuite la bibliographie exhaustive. Et pour chaque titre, une petite notule qui permet au libraire de savoir ce qu'il y a dans le titre-là, dans ce livre-là, sans forcément le lire en entier. Ce guide-là, on l'a distribué à plus de 800 libraires en France. Il a été évidemment très bien accueilli. Les libraires continuent à travailler avec ce guide. Alors le seul bémol, c'est qu'il va falloir le remettre à jour, puisque c'est un guide papier, et que même si on parle de fond et que les délais sont un peu plus longs, il a 2 ans, on peut considérer que dans 1 an, il faudra refaire un guide sciences humaines. Autres outils, c'est évidemment toute une somme de bons de commande, soit récurrents, soit sur mesure. Alors on fait régulièrement, qu'on remet à jour tous les 2 mois, des bons de commande, des meilleures ventes de fonds par rayon, meilleures ventes de fonds en littérature grand format, en sciences humaines, etc., qu'on fait parvenir aux libraires. Toutes sortes de bons de commande transversaux en fonction soit de l'actualité, soit de l'actualité éditoriale. Quand il se passe des manifs en Algérie, on fait un bon de commande sur l'Algérie et on transmet aux libraires dans la foulée. Et puis des réalisations de bons de commande sur mesure, c'est-à-dire qu'on a un libraire qui nous dit « aujourd'hui, moi, je veux faire une thématique sur ça, je n'ai pas de bibliographie, je ne sais pas trop comment faire », donc on lui envoie une bibliographie exhaustive de nos titres sur sa thématique, ce qui pour le coup est vraiment une valeur ajoutée pour lui. Alors, on peut dire qu'on travaille à sa place, mais quand même, ça nous semble important de le faire. Un autre outil qui me tient beaucoup à cœur et dont je ne vais pas vous parler, ou pas beaucoup, Appli, c'est une application destinée aux libraires avec toute une somme d'informations, mais il existe maintenant une version québécoise d'appli qui s'appelle Galib et dont France vous parlera tout à l'heure, donc je ne m'étends pas du tout sur Appli. Et dernier axe, l'accompagnement des futurs libraires. Là encore, c'est parti d'un constat en regardant les commandes d'implantation des librairies qui se préparaient à ouvrir. Je voyais pas mal de points perfectibles. Des oublis, des titres commandés alors qu'ils ne devaient pas l'être. Et ces imperfections venaient du fait que souvent les libraires manquent d'outils pour choisir les titres. Ils manquent de dégressifs, ils manquent de données marché, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Ils font ça en principe dans l'urgence parce qu'ils ont tellement d'autres choses à faire au moment d'ouvrir que c'est un peu compliqué. Et on a décidé de proposer maintenant aux libraires un accompagnement systématique de tous les libraires qui se préparent à ouvrir. Ça se passe de la façon suivante. Alors évidemment, il faut être informé le plus tôt possible de l'ouverture prochaine. En général, moi, je suis informé au moment où le libraire fait une demande d'ouverture de compte à la SODIS. Là, on est assez en amont, il n'a pas travaillé encore sur ses commandes. Donc à ce moment-là, je suis informé, je contacte le libraire et je vais un peu à la pêche aux informations, la superficie, la localisation, les goûts du libraire aussi. Et je propose 2 types de documents au libraire.
de façon systématique. Après, il y a pas mal de choses au cas par cas, mais le premier document, c'est des données marché. Parce qu'à mon avis, quand on est libraire et qu'on se lance, si on est face à son rayon littérature qui a 2000 références, la première question à se poser, c'est combien il m'en faut chez Gallimard, combien il m'en faut au CDE, combien il m'en faut ailleurs. Alors, évidemment, les chiffres que je donne sont en valeur indicative et le libraire ne les respecte pas à la référence près. Mais c'est quand même important de savoir que si j'ai 2000 titres, il m'en faut 300 chez Gallimard et je ne sais combien ailleurs. Et une fois que le libraire a ces repères-là, je lui fais parvenir des dégressifs sur mesure, encore une fois, avec lesquels il va pouvoir travailler et procéder à ses commandes d'implantation. Et puis les deux dernières étapes, c'est définir les conditions commerciales avec lui, mais ça c'est assez classique, et accompagner le libraire jusqu'à l'ouverture. Ce qui est important, c'est que du coup le libraire se retrouve avec un interlocuteur unique pour toute une diffusion, ce qui forcément lui change la vie, parce que sinon il a quand même pas mal de gens à contacter. Et du coup, les libraires sont évidemment rassurés. On constate des commandes plus importantes, 2 à 3% plus importantes, mais surtout, plus important encore que la taille des commandes plus cohérentes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oubli des meilleures ventes, puisqu'ils travaillent sur les dégressifs. Et puis, il n'y a plus de titres un peu farfelus qui étaient retournés au bout de quelques semaines. Voilà, en somme, pour les grands axes de ce qui a été mis en place depuis 3 ans. Est-ce que vous auriez des questions ou des commentaires pour Monsieur Servière? Les micros sont là, on vous rappelle de vous présenter. Bonjour, Élodie Cantois, Néco-Société. Merci pour la présentation. Je voulais revenir sur votre guide sciences humaines dont j'avais déjà entendu parler et sur lequel on m'avait dit grand bien. Vous avez parlé de la nécessité de la remise à jour. Comment est-ce que vous pensez ça, justement? Vous avez parlé, quel a été le tirage? L'utilisation, c'était donc uniquement pour les libraires. Est-ce que ça a été aussi à l'attention des bibliothécaires? Et toute la remise à jour, vous la pensez ensuite avec une vision pour combien d'années? Puis quel coût? Parce que je suis vraiment curieuse sur cette opération-là. C'est effectivement une vraie question qu'on aurait dû se poser bien plus tôt. On commence à se la poser maintenant, mais encore une fois, on découvre... Donc... La mise à jour, on y pense, ce sera très certainement une mise à jour numérique, parce que l'impression de ces guides-là, est hors de prix. C'est le prix d'un beau livre, on en a imprimé 2000. Donc on va faire les mises à jour de façon numérique, et si on s'attaque à d'autres guides sur d'autres segments, tout se fera en numérique. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne les bibliothécaires, c'est un peu compliqué pour nous, les bibliothécaires, parce qu'on ne les connaît pas. Nous, on est une structure de diffusion, on travaille avec les libraires, donc on en connaît évidemment certains, et ils sont assez nombreux. Après les rencontres nationales de la Rochelle, il y a 2 ans, il y avait pas mal de bibliothécaires, donc ils ont été assez nombreux à me demander des guides, et je leur ai fait parvenir bien volontiers. Mais on n'a pas fait de distribution massive ou systématique aux bibliothécaires de ce guide-là, en tout cas. Oui. Votre catalogue est une somme impressionnante, effectivement. C'est sûr que ça répond à divers besoins, mais dans le regroupement des différents titres, que ce soit pour les œuvres, par exemple, de Bourdieu ou quoi que ce soit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'identifier des fois, de dire, bon, ben alors, parmi les éditeurs que nous avons, voilà le titre qu'il faut lire, au sens où c'est une bonne introduction à la pensée de l'auteur. Ce sont des commentaires, des mises à jour de sa pensée, comment elle est reprise aujourd'hui, ou des choses comme ça. Alors ça, c'est une bonne initiation à tel sujet ou tel autre. Alors, à l'intérieur de ces sélections, reprendre des... Vous voulez dire prioriser à l'intérieur des sélections Voilà, là, c'est ça. C'est, pour répondre à différents besoins. Mais c'est évidemment quelque chose qu'on aurait pu faire. Bon, très concrètement, ce guide demande déjà un travail de sélection titanesque. Il y a 720 titres sur plus de 12 000 disponibles en sciences humaines au CDE. Et justement, on a essayé tout au long de la fabrication de ce guide de vraiment répondre aux problématiques du libraire. On l'a construit comme un rayon de librairie avec les différents sous-segments. On a fait des focus. Alors évidemment, une présentation de Bourdieu... On parle plus aux jeunes libraires. Un libraire qui a 15 ans ou 20 ans de métier, il n'a pas besoin qu'on lui présente Bourdieu.
Donc on a essayé d'adapter un peu à tout le monde, mais effectivement, on aurait pu faire plus et mieux. Peut-être que le format du numérique est finalement plus adapté à un guide comme celui-ci, où on se dit qu'un EPUB sur lequel on peut cliquer et repartir sur un lien en fonction de ce qui nous intéresse, c'est peut-être plus adapté qu'un format papier. Mais encore une fois, c'est un guide avec des codes-barres, les libraires ont besoin de biper et de pouvoir s'en servir comme un catalogue, quoi. Donc oui, ça aurait été sans doute mieux. Mais c'est en tout cas une bonne idée pour les remises à jour du guide. Ouais. Peut-être qu'avant de vous laisser partir, dans l'ensemble de ces initiatives, vous devez faire des choix, évidemment. Est-ce qu'il arrive que vous rencontriez de la résistance chez certains des éditeurs qui, bon, je repense là, dans une ancienne vie, moi, avoir eu des situations où des éditeurs ne voulaient pas se retrouver présentés avec quelqu'un d'autre sous la même thématique, une espèce de refus d'être mis dans le même bateau. Est-ce qu'il est arrivé que vous rencontriez ce type de résistance-là et comment on les convainc, en fait? Assez peu, en fait. Alors, en ce qui concerne les opérations multi-éditeurs et tout ça, la chance qu'on a eue, c'est que la première a été une réussite totale, ce qui a donc convaincu tout le monde. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile. En fait, quand on fait travailler les éditeurs ensemble pour avoir plus de poids auprès des libraires, ça ne veut pas dire, imaginez, que nos éditeurs sont tous les mêmes. Pas du tout. C'est au contraire la richesse de chacun des éditeurs qui fait l'importance de tout ce qu'on propose aux libraires. Non, il n'y a pas vraiment de résistance là-dessus. Peut-être un petit peu sur les rencontres, quand il s'agit de venir rencontrer les libraires ou certains éditeurs... au début, traîner un peu la patte, mais globalement, ils jouent le jeu très largement. Mais je vous remercie. Merci, Monsieur Servière.